week-end pascal, 7 morts et 250 personnes consultées. 7 morts, 250 personnes consultées, dont une trentaine ont été hospitalisées. Tel est le bilan provisoire qui nous est fourni par le professeur Rakoto Alsan Oliva, directeur d'établissement de la GRM Piflou, au terme de ce long week-end de Pâques. Notre responsable a fait état de la recrudescence des accidents à responsabilité civile, domestique, mais également les accidents de la circulation dont a été victime la majorité des patients consultés auprès de cet établissement hospitalier. Dans la catégorie des accidents à responsabilité civile, le professeur Rakoto Alsan Oliva a énuméré un cas de vindicte populaire, la victime ayant été admise au service de réanimation pour une opération d'urgence. Parmi les personnes décédées, 3 ont été victimes d'accidents de la circulation, 3 autres ont été qualifiées comme étant des cadavres en dépôt. Une femme de 27 ans a en revanche succombé à l'abus d'alcool. Un cas de suicide et un autre d'accident cérébral ont également été rapportés par notre responsable.